Le 11e midem poursuit son grand bonhomme de chemin. Les cocktails succèdent au dîner, les dîners au souper. Et une vedette de la chanson a été récompensée et honorée ce matin, Johnny Hallyday. Il a en effet reçu des mains de Bernard Chevry, commissaire général du midem, 14 disques d'or et un fauteuil d'or. Ce fauteuil récompense l'artiste qui a pu remplir la salle du Palais des Congrès à Paris. Une performance, une de plus, réalisée par Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, 14 disques d'or le même jour, plus un fauteuil d'or, c'est l'aboutissement d'une carrière. J'espère que non, parce que l'aboutissement, ça veut dire un peu la fin. Et j'espère la commencer plutôt que de la finir. La commencer, la recommencer plutôt, non? La recommencer continuellement, oui, parce je crois que dans ce métier, on remet toujours tout en question et que finalement, chaque fois qu'on va sur une scène, chaque fois qu'on essaye de faire un autre spectacle ou qu'on fait un disque, on remet toujours tout en question. Et lorsque, déjà à votre âge, et vous êtes très jeune, on a fait tout ce que vous avez fait, tout ce qui était possible de faire, on a envie de faire autre chose? De faire quoi, par exemple? J'ai envie de refaire le Palais des Sports. De faire autre chose, parce que refaire la même chose, quand c'est fait, on n'a plus envie. Mais alors maintenant, quoi? À chaque fois, je vous pose la même question et à chaque fois, j'ai vraiment du mal à trouver quelque chose. En général, je trouve toujours à la dernière minute, ce qui est risqué, mais je pense que ça fait un peu partie aussi de ce métier. Recevoir un fauteuil d'or, c'est extraordinaire quand on en a fait qu'à 7 ans, il y a quelques années à l'Olympia. Oui, surtout en or. Oui, non, mais c'est... Je ne sais jamais quoi répondre dans ces cas-là, parce que dire merci et je veux dire... Au fond, vous êtes timide. Timide et modeste. Vous savez, je crois que les gens qui ne sont pas timides ne font pas ce métier-là.